Salut à tous, c'est Maconnor Minou, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le fangame de Neo, Pokémon Maconnor Minou. Donc dans le dernier épisode, on venait de passer le petit bug de l'escalier, on avait un petit peu avancé, on a vu qu'il y avait une grotte où il nous fallait une clé. Du coup, on va chercher la clé. Je crois que c'est ce petit bonhomme qui... On s'entend un petit peu, parce que là il faut une autre clé. Donc on va aller chercher la clé. C'est fermé, mais si tu veux, tu peux aller dans notre base sur la route 1004. Ah non, il faut la clé, ha. Comique. Voulez-vous combattre pour avoir la clé? Bah allez, sinon on fait comment? Tauros. J'ai laissé Carabaf comme un boulet. Bon, après on est dans une ville. Bon là, on peut se permettre de prendre des dégâts puisqu'il y a un centre Pokémon pas trop loin. Et j'aimerais bien faire évoluer ma Chopper en fait. Je sais pas à quel niveau il évolue. Oh, je prends cher quand même. Oh, nul. Nul. C'est balayage que j'aurais dû faire. Beaucoup d'XP hein. Alors on va avoir un Pokémon inutile, Love Disc. Quelle crédibilité veux-tu avoir en étant membre d'une organisation criminelle avec un Pokémon aussi ridicule? Sincèrement. Comment une petite merde comme ça, là, qui fait la taille d'un pouce, enfin, sûrement plus gros, hein, veut me faire des dégâts à moi, le splendide petit lion. Pijako, on va laisser. Pareil, ce Pokémon est un petit peu inutile et pas vraiment crédible pour un méchant, quoi. Pokémon pour les filles, ça. Pour les petites filles. Pourquoi ils tiennent tous comme ça? Non, Nala! Ouf, j'avais pas envie d'être endormi. Pijako est mort. Ma Chopper. Bon, un petit contron, une petite évolution au niveau 30. T'as déjà la clé, tu veux quoi? Bon, on va aller chercher un petit peu de soins, on va aller se soigner, c'est ça que je voulais te dire. Avant d'aller plus loin, là on est une arène. Cool, on commence à avoir une paire de badges. Lui il est rigolo, il nage. Je me disais c'est quoi, mais c'est quoi ce truc? Puis en fait, je nage dans le sol, voilà. Le thug ultime. Elle va à un mariage, j'avais déconné parce qu'elle a une robe en noir. Tu vas pas à un mariage, une robe en noir. C'est en bas, mais tu vas où toi? Allez go. Tant avec moi que la clé ça devrait aller, vous avez la clé, vous entrez. Super. Un beau petit labyrinthe, hein. Enfin, c'est pas vraiment un labyrinthe, c'est des petits serpentins, on est obligé de passer, donc ça rallonge le chemin à mort. On va fuir, hein. On va mettre machin, là, ma chopper, en premier. Comment tu peux entrer? Avec la clé, gros.
Justin Bridou, un Serfrouz, d'accord. Putain, j'ai que des femelles en équipe ou quoi? Alors Néo, dis-moi en commentaire si c'était des genres aléatoires ou c'est toi qui as choisi de me mettre des femelles à tous les Pokémon que tu m'as donné. Niveau 28. Allez, brûle! Fais-moi fondre tout ça! Je sais pas si vous jouez encore, si je suis encore un des seuls à jouer à Pokémon Go encore, ou si vous y jouez encore. Mais qu'est-ce que vous pensez des dernières mises à jour là? C'est pas que c'est n'importe quoi, mais c'est énorme parce qu'on a galéré. Enfin, moi personnellement, j'ai galéré là où j'habite pour me faire un Pokédex, pour avoir des bonbons, pour avoir des Pokéballs dans les stops et tout. Et là, mais avec les bonus là. Le premier stop du jour, là, tu prends en masse Pokéball, quand tu fais la semaine entière, t'as des putains de bonus. Les œufs, ils tombent en veux-tu en voilà, des œufs 5, des œufs 10, alors que j'ai tombé que sur des 2. Oui, bien sûr, Crofeu. C'est trop bien, Crofeu. Donc du coup, voilà, en même temps, je suis content. Je suis content parce que c'est plus agréable à jouer maintenant. Mais par contre, je suis dégoûté de me dire que j'ai passé tant de temps à... Combien de kilomètres j'ai fait pour faire éclore des E10 et tomber sur des Evoli. Maintenant c'est fini. Combien d'œufs 2 j'ai pu faire éclore, mais vraiment hein, ça se compte en dizaines de dizaines hein, sincèrement. Ah, et en tombant que sur des Rattata, des Roucoules et ben là, c'est fini, voilà, je tombe sur des starters, donc c'est super cool, c'est super giga cool. Mais bon, j'ai l'impression que voilà, c'est vrai qu'il y a plus grand monde qui joue. Dans ma ville, quand même, ça y va. Les arènes, elles tournent pas mal. Hein, donc, c'est qu'il y a quand même du monde qui y joue. Puis c'est pareil, voilà. Les pop, enfin les nids de Rattata et Roucoule qui ont été remplacés par d'autres Pokémon, c'est vraiment classe, quoi. J'ai pas vu un Caninos pendant des mois et des mois. Et maintenant, il y a des Caninos qui pop partout par chez moi. Des Caninos, des Goupix, des Carapuces, des machins. Avant, j'avais que Rattata et Roucoule. Hein, c'est pour vous dire. Donc c'est cool. Bon, j'ai plus trop le temps d'y jouer maintenant. C'est vrai que ça pompe quand même pas mal la batterie. Mais, je ne lâche pas. Le Pokédex, il avance nickel. Alors quand je suis arrivé dans cette zone-là, je pensais qu'il fallait mettre des roches là-dessus, là, sur les petits logos. Vu que j'ai pas force, bah je me suis un petit peu abruti dessus pendant un moment, mais en fait il y a pas besoin. On va battre le petit champion là, enfin le petit champion, le petit sbire. Krabby, ah ouais, alors les Krabby, maintenant il y en a partout. Par chez moi, c'est un truc de malade. Et c'est même un peu ridicule. Bien, mais ridicule, parce qu'avant, moi, les Magikarp, je les chopais, on avait des spots à Magikarp, bah, au bord de la rivière, tout simplement, et ben là, maintenant, bah, dans la forêt, il y a un Magikarp qui pop. Bon, on prend, hein. Et sans encens, vraiment. Enfin, remarquez, les encens, j'en ai pas utilisé depuis des siècles, quoi. J'avais pas vu qui c'était. J'espère qu'il tiendra l'attaque. Toujours mes super bonbons là, quand je les ramasse, je les garde. Le jour où j'ai vraiment la flemme de EP à l'ancienne les Pokémon, je me garde, voilà, je me garde un petit peu ça. On va tester le Crofeu. Dites-moi en commentaire si vous jouez encore à Pokémon Go, ça m'intéresse. Parce que j'ai peut-être. Bon, j'attends. Parce que vu que maintenant c'est un peu mort, l'hype est un peu parti.
Ça m'intéresse déjà plus de faire des vidéos maintenant que plus personne n'en fait en fait. Tout simplement. Avant, ça me faisait chier parce qu'il y avait tellement, mais tellement, mais tellement. On va essayer Kadabra un petit peu. Il y avait tellement de gens qui en faisaient que YouTube était inondé de ces vidéos et moi ça me gavait. Et voilà, j'avais pas envie de ça. Mais maintenant que ça se calme un petit peu, peut-être que je m'intéresserai à en faire. À trouver une petite thématique et faire des vidéos là-dessus. Ça pourrait être pas mal. Bon, c'est sûr que voilà, toutes les mises à jour de Niantic seront les bienvenues. Les échanges, à mon avis, faut pas compter dessus. C'est un petit peu la carotte, ça. La deuxième génération, bon, il y en a qui disent que maintenant c'est dans le code source, qu'il y a des... Voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais ce serait quand même sacrément le bordel. Vous imaginez des fouinettes partout. Des ratatas, des fouinettes. J'ai pas vu qui c'était. Putain, je regarde pas. Je regarde par la fenêtre, moi. Ah bah oui, merde, il est ténèbre. Ah là là. Bonjour, je suis Néo. Encore un Néo. C'est marrant, mais il change de sprite à chaque fois. Je suis Néo, je ne peux pas mettre la pancarte dans une grotte, alors mets-toi en face du personnage à la prochaine salle pour lui parler. Sinon, ça va faire bugger le jeu. Ok. On va pas faire bugger le jeu. Je vais quand même faire une petite sauvegarde. Hop. Oui. Peut-être arrêter, je vais pas sauvegarder 15 fois. Alors, il me faut mettre pile en face. Il y a des tapis, des petits tapis rigolos. On se met en face. Ah, il m'énerve. Tape dans le tabouret, d'accord. Qu'est-ce que t'as, gamin? Tu vois pas que je suis vénère, là? Bon, en fait, je me suis disputé avec le boss. Il veut juste être l'homme le plus riche et le plus puissant du monde. Ouais, c'est un boss, hein. C'est pour ça qu'il veut hacker la Matou et sa réelle. Pour avoir leurs données, et grâce à ça, il a une clé pour que toute la team puisse s'infiltrer dans le centre télé. Le chef de la Matou et sa réelle a caché la Master Ball là-bas. Mais le boss l'a su en hackant le compte Gmail du directeur. Attention, Néo. On cite pas de marque. En lisant le mail qu'il avait envoyé au directeur de centre télé. Ok. Avec la Master Ball, il veut attraper Mewtwo et en faire un clone. J'ai la haine. Gilles m'a appris qu'après, il nous jetterait tous en prison. Genre, le gars, il balance ça. Sale égoïste. Viens avec moi, on va le défoncer. Voici ma clé au centre télé. Vous obtenez la clé du centre télé. Super. Je ne veux plus le voir, mais en échange, reviens me voir après, d'accord. J'aurai une récompense. Bah, je crois que tu venais me le défoncer avec moi. Bon, bah, c'est pas grave, on reviendra. Je reviendrai te rechercher tout à l'heure. Donc oui, moi je me souviens que dans l'épisode que j'avais tourné, je m'étais dit, il nous parle de Mewtwo, du clone, bon ok, un peu en parallèle de la Team Rocket. Est-ce qu'on va pouvoir avoir la Master Ball à la fin du centre télé? Et est-ce qu'on va avoir la possibilité de capturer Mewtwo? Ce serait cool. Oui, Néo, t'as déjà vu. Hop. On va voir un petit peu, qu'est-ce qu'il y a là? Bon, il y a un membre, on va se le faire quand même. Je me demande quel est mon niveau. J'ai jamais combattu. Ok. On va défoncer du noob. Moi, j'aimerais bien avoir ma cogneur. Hey, je suis complètement crevé. Là, je finis cet épisode. Je le monte. J'envoie en ligne parce que ça fait un petit moment que je vous ai pas proposé de m'accueillir Minou. Et je dors. Hier soir, j'ai fait une putain de séance de cuisse. Un truc de malade. Là, ça commence à se réveiller. C'est pas génial, génial. En plus, ce matin. Petit racontage de live. Ce matin, petit barbier. Le petit barbier qui va bien. Le petit truc. Tu te fais bichonner, petite huile, petit massage, la petite serviette chaude. Super. Du coup, bah voilà, je suis complètement caisse, là je suis dans le gaz. J'ai tourné ces épisodes là parce qu'il fallait absolument que je puisse les retourner. Et j'en ai profité que visiblement mon voisin a l'air absent. Donc voilà, mais là je suis dans le gaz. Donc
J'espère que ça se sentira pas trop dans ma voix. Et j'attends qu'une chose, c'est aller au lit. Ma chopper monte au niveau 29, ok. Et je sais toujours pas, je vais vous dire, mais je sais toujours pas quel Pokémon je vais choisir pour Pokémon Soleil et Lune en starter. Donc là, je vais avoir quand même le jeu dans quelques jours. Et il va sortir de toute façon officiellement dans quelques jours. Balancez-moi en commentaire. Parce que moi, ça sert à rien que je fasse un sondage sur Facebook. Il y a personne sur Facebook. Vous venez pas sur Facebook. Donc venez sur ma page Facebook. Je vais quand même faire le sondage. Mais ça m'étonnerait que j'ai étant énormément de réponses. J'ai pas vu qui c'était. Oh. Maresti. C'est vrai que à la base j'étais parti. Quand j'ai vu les starters, comme tout le monde, c'était Brindibou, vraiment. Et sincèrement. Trop mignon, trop machin. Otaquin, c'était pas possible. Mais d'un côté, je m'étais dit Otaquin, pourquoi pas. Pourquoi pas, puisqu'en fait, si personne ne l'aime, moi je veux bien. Voilà, j'aime bien les Pokémon un petit peu détestés de tous. Je suis fan de Ramolos, je le trouve trop classe. Psychoquoi, je le trouve trop classe. Tentacool, je le trouve trop classe. Tadmorph, je le trouve trop classe. Je me suis dit pourquoi pas Otaquin. Et Flamiaou, j'aime bien les chats, pourquoi pas Flamiaou. Donc j'étais. Voilà. Avec les évolutions. C'est vrai que le tigre, tout le monde crache dessus, comme quoi c'est un humanoïde et tout, mais voilà, il est quand même classe, il est badass. Hein. Mais c'est vrai que je l'imagine pas trop avec moi. Donc voilà. Et par contre, l'évolution. Il y en a qui du coup préfèrent prendre Otaquin avec l'évolution qu'ils trouvent classe à l'évolution finale. Moi je la trouve dégueulasse. C'est vraiment trop girly pour moi, c'est pas possible. Donc j'hésite. Voilà, je pense que ça se fera un petit peu... Ah je sais pas. Il y a beaucoup de gens aussi qui font des vidéos sur quelle équipe je vais choisir dans Pokémon Soleil et Lune. Donc voilà, moi je n'ai pas d'équipe, je ne sais même pas quel Pokémon je vais prendre. En forme Aloha, c'est sûr que je kifferais, mais vraiment... Ossature. Ossature, je le trouve vraiment classe comme ça. Donc, lui, déjà, je le prendrai. Après, je ne sais pas. Si Tritox, je trouvais Tritox super classe. Donc, Tritox. Bon, le trio piqueur, là, c'est impossible. Bon. Je veux que Kadabra prenne un petit peu d'expérience, voilà. Ah merde, je pensais que ça serait passé. Ah c'est ta chance, Kadabra. Bon, remarquez que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas perdu. Donc c'est cool, je commence à économiser un petit peu de la thune. Qu'est-ce qu'on a ici? Attaque plus, ok. Tu me dis rien. En même temps, c'est ton premier combat. Ok, ça se pardonne, on va dire. C'est con qu'on puisse pas descendre là, ça m'arrangerait. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais arrêter l'épisode ici. Je vais vous retrouver directement, je vais me soigner un petit peu et je vous retrouve directement à la tour télé ou radio, je sais plus exactement ce que c'est. Allez, on fait comme ça, portez-vous bien, c'était Macognon Minou, bye bye!